grande équipe au complet. Nous sommes là pour vous servir, comme je le dis toujours, avec le même plaisir, la même joie et la même attirance, la même attraction pour être chez vous dans des très bonnes conditions. Nous sommes venus en retard malheureusement, mais nous sommes là pour vous dire que Télématin ne vous abandonnera jamais. Télématin, même si je ne suis pas là, une autre personne viendra pour vous servir. Donc Télématin, nous sommes scotchés avec vous, nous sommes inséparable. Que le Seigneur vous bénisse richement de nous choisir chez vous et d'accepter de cheminer avec moi dans ce Télématin du 14 juillet 2020. Merci Seigneur pour son amour, merci Seigneur pour sa grâce. Être devant vous, c'est une grâce de Dieu. Être devant vous, je ne peux que dire merci Seigneur, vu tout ce que j'ai pu passer ce matin pour arriver ici et je suis là en bonne santé. Je peux encore vous servir, mon cœur vous dit merci et mon cœur dit merci au Seigneur Jésus-Christ pour tous ses bienfaits. Si on ne peut pas lui dire merci, c'est que nous sommes ingrats, c'est que nous ne connaissons pas exactement ce qu'il est pour nous et nous devons vraiment, vraiment tout faire pour savoir lui dire merci au bon moment. Vous savez comment ça se passe, vous m'appelez, vous me bipez, vous me dites Madame Monica, nous sommes là, merci à toi. Un message non lu, je peux lire. Ah oui, quelqu'un, c'est le 050, merci beaucoup. Donc, vous pouvez aussi faire comme lui, appeler ou faire juste un texto ou encore me biper pour me montrer que vous êtes de cœur avec nous, vous marchez avec nous, vous cheminez avec nous, vous voulez vraiment que nous puissions faire le Télématin ensemble en interactivité. C'est ce qui fait même la raison de notre présence chez vous. Parce que nous voulons que le 089 94 82 106 soit opérationnel pour vous. Merci à toi 531 qui me dit qu'il est là. Merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir de savoir qu'on m'attendait chez vous, qu'on m'attendait à la maison. Beaucoup de personnes étaient là en train de se demander mais maman Monica koya bien koya te ngayo naye naye naza et pas nabino naye na esengo na sepeli mingi nazala na banda kunabino. Merci à toi 239 de me dire que tu es là. Que le Seigneur te bénisse, grande est vraiment ma joie. Je suis en bonne santé. Rigen, tu peux venir, je suis vraiment en bonne santé. Je veux dire merci à toute mon équipe. Je dis merci à Junior, à Murphy, Nongue qui est là, à Papa Etambe. C'est vraiment un groupe qui est en train de m'accompagner ce matin. Je suis chez vous. Merci à toi. 112 depuis Brazzaville qui me fait savoir qu'il est là en train de nous suivre. Je salue tous les bien-aimés de Brazzaville. Merci à toi. 837 qui me fait savoir qu'il est aussi là. Merci à vous tous, à mes bien-aimés de Brazzaville, à la Voix de l'Aigle de Brazzaville, à tous les frères qui nous suivent à partir de Brazzaville et partout ailleurs. Je vous dis merci, je vous dis bonjour. Toutes les bonnes choses pour ce 14 juillet, c'est que tu n'as pas pu faire hier. Aujourd'hui, dis-toi, tu es un vainqueur, un victorieux. Dieu va t'accorder, va te faire cette grâce. Merci à toi. 681, je peux te prendre. Allô, bonjour. Ah, il est parti, le 681 est parti. Donc, ça veut dire que quelque part, nous sommes dans la joie. Je sais que vous êtes nombreux, nombreux, nombreux à nous écouter, nombreux à nous... nombreux à nous suivre, nombreux à être scotchés, nombreux vraiment à être là pour me dire, Madame Monica, nous sommes là, merci, je vois vraiment vos bips, ça me va droit au cœur, je suis dans la joie, merci à toi. 232 qui me dit que Maman Monica, je t'attendais, mais qu'est-ce qui se passe, je peux te prendre ce matin? Allô, bonjour. Allô. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour maman. Bonjour maman. Allô, bonjour. Bonjour maman, comment ça va? Ça va bien, comment vous allez? Oui, je vais aussi bien, c'est qui? Parce que ça a combo, pardon, et ça l'a bien ma case. La soeur Shekina Limaya, soeur Shekina Limaya depuis la commune de Ngiri. Oui, la soeur Shekina Limaya depuis la commune de Ngiri. Ndjili, ouais, depuis la commune de Ndjili. En tout cas, je te dis bonjour et merci beaucoup, maman Shekina, et à toutes les sœurs qui portent les noms de Shekina, à maman Rachel, Naomi, à toutes
toutes ces mamans-là, moi je vous dis bonjour et bon mardi surtout. C'est le deuxième jour de la semaine. Dites-vous que vous êtes là, le Seigneur est là, tout ce qu'il vous a promis, il va vous l'accorder. Nous devons dire merci Seigneur Jésus-Christ pour tous ses bienfaits. Merci pour son amour, merci pour sa grâce, merci de me permettre d'être chez vous. On va chanter, on va danser au rythme Naza Molongi. Se réveiller ce matin, c'est une victoire. La sœur Sarah Wembo va vraiment nous aider à dire Naza Molongi. Franchement, se réveiller ce matin, c'est vraiment une victoire. Oyebi combien bakoufi na butwa lelo. Oyebi combien makama e komeli bango. Oyebi combien makama mabe e komeli bango. Oyebi pe combien ya malamu pe e komeli bango. Parmi batoa malamu yo pozo figurer na kati. Il faut savoir dire merci. Il faut savoir qu'on dit maké Oza Molongi. Oza Molongi, pas à cause de toi, mais à cause de Jésus. Si lui n'était pas là, en tout cas, Mawa Mingi, Mawa plein, mais parce qu'il est là, sa grâce est sur nous, sa grâce nous suffit, sa grâce marche avec nous. C'est pourquoi on dit Toza Balongi. Ce matin, à tous ceux qui m'ont bipé, ce sont des victorieux, de vainqueurs. Et à Maman Shekina qui m'appelait, je vous dédie Toza Balongi. À tous ceux qui me suivent ce matin, que cette chanson vous élève, vous dise que ce que vous n'avez pas pu faire jusqu'à ce matin, maintenant là, Dieu peut vous l'accorder en tant que fils et fille de Dieu. C'est parti avec cette chanson dans votre première rubrique. Merci, merci Seigneur. Merci Seigneur.
en complicité avec mon caméraman Regen et Merfi. Bon, tu vois, ça là, beaucoup. Avant, on va coulisses. Hein? On ne peut pas arriver à la maison. Baba Mabé Makassi. C'était pour dire nous sommes des vainqueurs. Nous sommes vraiment vainqueurs. Si tu te sens vainqueur, en tout cas, tu as dansé avec moi. Tu as dansé avec tous ceux qui sont à la maison. Parce qu'on se dit, nous sommes vainqueurs. Se réveiller ce matin, c'est la victoire. Être devant vous, c'est une victoire. Être en bonne santé comme vous l'êtes chez vous à la maison, c'est aussi une victoire. Tout ce que tu as de bon, tout ce que tu as reçu, reçu plutôt de bénédiction, c'est vraiment une victoire de la part du Dieu Tout-Puissant. C'est parti pour notre deuxième rubrique, Today is Today. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Merci à vous, Révérend Kalumba Lambert, de nous appeler pour me faire signe que vous êtes là à la maison en train de nous suivre, toute la famille réunie. Maman Meda, Maman Mehdi plutôt, je dis bonjour à vous, à toute la famille du Révérend Lambert Kalumba. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je sais que vous êtes victorieux parce que rester devant cet écran, me suivre ou rester en bonne santé, c'est vraiment signe de la victoire. Merci à toi aussi, ma bien-aimée, ma précieuse, ma sœur Salima. Que Dieu te bénisse depuis la Gombe, ainsi que toute ta famille. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je sais que tu es aussi victorieuse, tu es vainqueur et tu es dans la joie. Parce que ce que tu es, tu le sais toi-même. Moi, je le sais aussi, partir de gauche pour la droite. En tout cas, il faut être victorieux, il faut être vainqueur. Et madame, tu l'es. Que Dieu te bénisse richement. Aujourd'hui, c'est le 14 juillet. Le 14 juillet, c'est le 196e jour de l'année. Il nous reste pratiquement 170 jours. Toi qui n'as pas encore milité pour l'amour, il est encore temps. Tu as pratiquement 170 jours, pratiquement 5 mois et 2 semaines ou 5 mois et 20 jours pour pouvoir... 3 semaines presque pour pouvoir militer, opter pour l'amour, car cette année a été décrétée par le révérend Baruti Kassongo, année de l'amour. Fais tout pour avoir l'amour en toi, fais tout pour que Dieu te dote de cette vertu. L'amour, c'est une grande vertu. Sans amour, on est vraiment méchant, on ne sait rien avoir de bon. Nous sommes le 14, je l'ai dit, c'est la fête nationale française aujourd'hui. Également appelé 14 juillet et la fête nationale de la République française. C'est un jour férié en France. Elle a été instituée par la loi Raspail du 6 juillet 1880 pour commémorer la prise de la Bastille du 14 juillet 1789, symbole de la fin de la monarchie absolue, ainsi que la fête de la Fédération de 1790. En 1849, une fête nationale est célébrée le 4 mai, jour anniversaire de la proclamation ou ratification de la République par l'Assemblée nationale constituante. Là, je voudrais vraiment qu'on reste un peu, c'est en France où nous sommes en train de célébrer, ils célèbrent la fête nationale là, en direct. Je peux laisser quelques images, Junior qui est là, pour permettre à nos fidèles téléspectateurs. Aujourd'hui, c'est un défilé à l'Arc de Triomphe. On est en train de défiler en ce jour. Les Français sont dans la joie. Nous l'avons célébré, nous, ici, le 30 juin. Mais eux, c'est le 14. C'est un grand jour. Je vous laisse découvrir en quelques minutes ce petit défilé français. Par le gouvernement de l'époque pour devenir officiellement la fête nationale française. Pourtant, elle marque deux dates, la prise de la Bastille du 14 juillet 1789 et la fête de la Fédération du 14 juillet 1790 qui commémorait le premier anniversaire de cet événement. Quoi qu'il en soit, si l'année n'est pas spécifiée, cette date n'en reste pas moins synonyme de fête pour les Français.
Pour cette journée de fête, ils sont nombreux à être descendus dans les rues de la capitale. Awa et sa famille ont profité de la journée pour visiter Paris après le défilé. Oui, je suis sortie avec les enfants et on s'est promené à Paris. On a fait la visite aux Invalides, dans les musées. On s'est promené, on a pris des photos avec les militaires et ses sœurs. Sébastien et ses amis sont venus de Bretagne pour le week-end. Ils s'accordent un pique-nique sur les bords de la Seine avant le début des festivités. Bah aujourd'hui, on a plutôt regardé le défilé à la télé un petit peu et puis... Après, on pensait plutôt sortir dans la soirée, donc voilà, on profitera, on est plutôt de la nuit. Nous. Dans les jardins au pied de la Tour Eiffel, la soirée commence par un grand concert de musique classique. C'est sympa, c'est très amical, même si vous voyez la lumière en ce moment, c'est tellement joli. C'est très bien, c'est très amical. En attendant le temps fort de cette soirée, le spectacle pyrotechnique le plus impressionnant de l'année. Je me rappelle d'ailleurs, dans les temps, il y avait les balles, c'était plus simple, plus populaire qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un esprit un peu différent, les technologies, mais les spectacles, les grandes choses. Dans les passés, il y avait des choses beaucoup plus simples. Didier a fait le déplacement en famille depuis le sud de la France pour participer à cet événement auquel il rêvait depuis longtemps d'assister. C'est quand même une date symbolique et le 14 juillet, pour moi, c'est une date qui reste à marquer à tout jamais dans le cœur des Français. Surtout pas oublier, à le commémorer comme on l'a si bien fait aujourd'hui. Et à la nuit tombée, les lumières scintillantes du feu d'artifice embrasent le ciel de Paris, point d'orgue de ce soir du 14 juillet. Jade Charles, CGTN, Paris. Ah oui, j'ai juste pris un extrait, Wana, pour nous relaxer. Comment Baninga va célébrer le 14 juillet Nabango avec joie. Rigen revient par ici pour célébrer donc leur 14 juillet avec joie. Basaliango na esengo to éviter ce que pana bango COVID-19 et sili parce que pana biso awa masque bazo tia biso na moni bango kuna sans masque batalia ta distanciation te ba honorer quand même 14 juillet na bango na ébité, je ne sais pas, est-ce que ils ont failli, qu'est-ce qui s'est passé? Nous aussi on pouvait quand même faire quelque chose. 60 ans d'indépendance, ça m'inquiétait, même si on se disait qu'on allait passer ça dans le confinement, mais ta la baninga quand même baza na bango ata na masque te, ils n'ont même pas de masque, ils n'ont même pas respecté la distanciation des bazawana. Donc ba kei pour ba commémorer 14 juillet na bango, ça c'est quelque chose à suivre après. Ils appellent ça question mark ba américain ba lobaka ba anglais ba lobaka. C'est vraiment à se demander qu'est-ce qui se passe. Les gens célèbrent, ce sont des grands jours qu'on ne peut jamais oublier, qu'on devrait toujours immortaliser. C'est ça le nationalisme, le patriotisme même. Donc ils sont allés, je n'ai pas vu de masque là, parce qu'il y a quand même qu'on n'y a pas de l'Arabie, sauf en Afrique, pas déconfiné, monsieur Rossa, la paix, monsieur Malam, ba Kopé Koufi, Banda Kouelali, tout ça là. Regardez un peu là où, ba Koufi Koutou est belé, mais regardez un peu ce qu'ils font là-bas. Tomituna, c'est quoi exactement? Est-ce qu'il y a de la justice dans cela? Point d'interrogation. Merci, nous passons. Merci beaucoup à tous les Français. Bonne fête. Que Dieu bénisse la France et tous les Français. Je continue toujours dans les citations du jour. Il y a l'erreur est humaine, le pardon divin. C'est Alexandre Popé qui a donné cette citation. L'erreur est humaine, mais le pardon est divin. Donc, si nous pouvons commettre des erreurs, c'est bien, mais il faut aussi savoir demander pardon, il faut aussi savoir pardonner, parce que le pardon est du domaine de Dieu. Si tu veux vraiment être une fille de Dieu, tu dois un fils de Dieu, tu dois savoir pardonner malgré l'erreur des autres. Nous sommes toujours dans... Il n'y a pas de nom célébré aujourd'hui, mais moi je souhaite un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un certain 14 juillet d'une certaine année. Bon anniversaire à vous tous qui célébrez aujourd'hui un nouveau jour de votre vie. C'est une bénédiction, c'est autant de sacrifices. Dieu vous accorde encore sa faveur, je dis toujours, c'est une faveur d'ajouter une année. Beaucoup sont morts, tous ceux qui étaient nés le 14 juillet sont morts.
mort peut-être avec vous le même jour, la même heure ou la même minute, mais nous ici en RDC, ce 14 juillet, nous sommes en train nous sommes un peu tristes parce que on est en train d'enterrer le juge qui a été au procès de Vital Kamerhe. Il est mort, il était malade, oui. Un extrait, Junior, on peut avoir parce que c'est maintenant là qu'on est en train de faire. La cérémonie, vous savez, avec les magistrats et les avocats, avant de les enterrer, ils font une cérémonie. Ceux qui suivent la RTMC en direct en ce moment sont en train de suivre vraiment en direct la cérémonie qui se passe là-bas. C'est pour les funérailles de notre précieux juge dans ce pays. Nous avons perdu quand même deux têtes, il faut savoir, il faut le dire. Ce n'est pas facile, quelqu'un qui vous quitte comme ça. Et c'est que la République perd aussi une tête, c'est quand même beaucoup à la grande famille de la magistrature RDC. Nous présentons nos sincères condoléances, que Dieu vous assiste dans cette dure épreuve qui vient de vous frapper. Vraiment que le Seigneur vous assiste. Pour ceux qui célèbrent leur anniversaire, je dis joyeux anniversaire, c'est parti avec ce joyeux anniversaire et une chanson que Murphy Nongui va vous proposer en cette occasion. N'importe quelle chanson, Murphy, je te laisse le libre arbitre de le faire pour nos fidèles téléspectateurs qui fêtent aujourd'hui leur anniversaire. C'est parti, joyeux anniversaire à vous tous. Simba ngana lenga
bato ya baba ye na mabota nyonso oza nzambe na bolingo obongina lokumu pour tous ceux qui célèbrent leur anniversaire ou qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Là, je vois Monsieur Alain Daniel de la part de Laetitia qui te souhaite joyeux anniversaire. Merci à toute la famille Congolo qui me suit aussi. Il y a Rachel, Salf, Talia, Elodie, que Dieu vous bénisse richement et vous comble de toutes ces bénédictions. Nous sommes là, je l'ai dit, aujourd'hui, on est en train de faire la cérémonie pour l'enterrement du premier président, du premier juge président plutôt de la Cour de cassation, M. Tambwe Dominique, donc Dominique Tambwe Wakaniki Biselele, hein? Biselela, ouais, c'est ça le nom. Aujourd'hui, c'est son jour, on est en train de faire les cérémonies et on va l'emmener à sa dernière demeure. Donc, nos sincères condoléances à toute la famille des magistrats, que le Seigneur console sa grande famille. Je crois qu'il y a une photo de lui là que Junior va nous permettre à tous de le voir, c'est un homme de droit, ce sont des gens, des cerveaux de ce pays quand nous perdons, donc c'est une bibliothèque qui s'envole, c'est une tête, c'est une... donc il est là, le premier président de la Cour de cassation, le juge Tambwe Wakaniki Biselela Dominique, paix à son âme et que Dieu console toute sa grande famille. Je passe à notre troisième rubrique, InfoBeka, toute l'actualité autour du révérend Baruti Kasongo et le Baruti Tabernacle, sans oublier la RTVA Tabernacle aussi, parce que Nicolo Yonde Nazoluba, Makamoussou de Salemaana RTVA, Tokomipe Moua Tabernacle à Mouké. Donc toute l'actualité après cette, dans cette rubrique plutôt, InfoBeka. Baruti
Lucas Songo se porte très bien. Il nous a apporté la parole dimanche ici. C'était en direct de la RTVA. Il a prêché sur laisser passer la pression. Il reviendra le mercredi demain pour une autre prédication à partir de 18h45 et le vendredi de même. Et le dimanche encore, il reviendra à partir de 12h. Ce sont là les heures auxquelles le révérend Baruti Kasongo prêche à partir d'ici de la RTVA. Depuis qu'il y a confinement dans ce pays, les églises, les activités dans les églises sont suspendues et nous lui avons prêté la RTVA comme premier communicateur. Il est le premier journaliste par excellence de la RTVA. Il vient prêcher à partir d'ici. Donc, vous qui voulez être à la page, à l'actualité des nouvelles célestes, restez branchés à la RTVA et vous apprendrez les nouvelles du ciel. Donc, vous aurez des prédications toutes fraîches pour vous donner la volonté de Dieu en ce temps. Nous sommes toujours dans InfoBeka. Les pasteurs associés sont là. Le révérend Mosendo, Dembo et Carlos Kalala sont là. En cas de problème, vous pouvez toujours aller. Ils vont vous aider. Ils vont vous assister, surtout en ce qui concerne le domaine spirituel. Pour payer la dîme et les offrandes, les panneaux sont là pour ceux qui veulent s'acquitter de leur devoir divin, devoir chrétien, de payer leur dîme. Vous pouvez toujours passer aussi au Baruti Tabernacle, il y a un service minimum, ou bien utiliser les transferts par M-Pesa, Orange Money, Airtel Money, aux numéros qui vont s'afficher là. Ces panneaux de numéros vous permettent d'avoir les contacts pour pouvoir payer votre dîme dans des bonnes conditions. Et dans les cas contraires, allez seulement au Baruti Tabernacle. Là, vous pouvez facilement rencontrer Papa Inokete et il va recevoir votre enveloppe de dîme comme de l'offrande. Quant à ceux qui veulent aller aux eaux des baptêmes, il y a un service minimum qui vous attendra toujours pour vous permettre d'être en bonne relation avec le Seigneur Jésus-Christ. On célèbre aussi les mariages, mais d'une façon restreinte, avec presque 20 personnes seulement. Pour ceux qui veulent se marier en cette période de confinement, ne vous découragez pas. On a tout prévu pour vous. Allez toujours au Baruti Tabernacle et un service minimum sera là pour vous permettre d'entrer dans le monde des mariés en bonne et due forme. Donc, c'est tout ce que nous avons comme information autour de Révérend Baruti Kasongo et de Baruti Tabernacle, sans oublier, comme je dis toujours, RTVA Tabernacle pour Masolo Mama Mingi et Salima Awa. Donc, demain, nous aurons un culte direct à partir d'ici et le vendredi aussi. Nous entrons dans notre dernière rubrique d'aujourd'hui, donc sujet du jour avec Junior. Nous allons parler en 10 minutes parce qu'il nous reste pratiquement 10 minutes pour arriver à 12 heures. Donc là, nous allons parler juste sur la puissance du pardon. C'est parti. Le pardon divin. Nous sommes partis de cette citation pour faire sortir notre sujet du jour, la puissance du pardon. Bonjour Junior Litiale. Bonjour Madame Monica, bonjour également à tous nos téléspectateurs qui nous suivent partout à travers le monde. Oui, nous sommes là donc dans notre dernière rubrique d'aujourd'hui, sujet du jour, nous parlons sur la puissance du pardon. Donc l'erreur est humaine, le pardon est divin. Qu'est-ce que toi tu entends par là? Merci beaucoup Madame Monica. Je remercie d'abord le Seigneur Jésus pour l'opportunité, pour le souffle de vie. L'erreur est humaine. Bisogno sotoza batu, to commettra erreur, mais le pardon est divin. C'est Dieu qui est parfait. Et ya lobana biso, soyez parfait comme votre Père céleste est parfait. Na si j'ai alelo, na lingi vraiment to me kan po sola mo mukelengi lobi, l'erreur est humaine.
nous commettons tous des erreurs plutôt. Mais il faut que vous révélation, on a révélation, vous avez révélation, vous avez pardon. Nous avons parce que nous venons de passer une semaine spéciale pour le Saint-Esprit. Nous avons tant que directement, moi, je me sens que je suis interpellé et que je suis en train de me faire nous avons arrangé. Je me sens que je suis pardon facilement. Mais je me sens que je suis chrétien, mais pour que je suis pardon, je dirais que je suis ça. Alors, moi, on dirait que je suis pardon et que je suis gradé, que je suis en combo, alors que je suis chrétien. Déplace tout le monde à tout le monde à ma foute à moi parce que mon toi est chrétien aux a chrétien aux amours Christ à moi si à mon bali tant que vous avez dit que c'est le loco même de qu'on a vu Patrice à un barango bonjour quoi boloba merci quoi balo attend à la bible comme ça toi n'a et avant de comme souba ça la camote alors qu'ils nous sommes des chrétiens au yom moko n'a mis à conscience celui qui n'a sali ma vie. Est-ce que pardon zara pour la demande à la chrétien? Parce que tout le monde a même battu soit bon de la bangote merci à tout pardon a évi que j'étais offensé n'a posé acte moko et lésé yo à segi pardon. Est-ce que pour na osenga moto pardon il faut cause la chrétien? Merci beaucoup madame Monica au fungoli au fungoli domaine au fungoli non mais parce que c'est autre comme si on a pardon ça domaine chrétien c'est que bato ne soit pas singa ba pardon na bazaka ba chrétien c'est ça le problème. Merci beaucoup on a un yo yo pesa na ndaku le 089 est là 94 82 106, tu peux appeler et nous donner ton opinion, à contribuer aussi à ces petits sujets, la puissance du pardon. Qu'est-ce qu'un pardon et l'obligato à la chrétienne? Parce que quand on a bêté à ma solo, on a tout sur la ramingue, tout sur la ramingue, on a une expérience à Bible. J'ai un homme riche, il y a qui bien enseigné dans ma cambouana nios. Au cas que ça l'a naïf, il m'a bien enseigné tout pardon. Alors il peut le babou enseigner tout pardon, mais. Aza ki na moli mo santu na katinete ko senga pardon pona bandeko wana e lobi na mo pe lo kote mais baza na revelation na parce que bazo vivre 10 commandements nyo sezana kati ya bible mais pona ba christ surtout na ngobeta ba système mingi pona ba christ malgré bandeko bele bazo landa biso pona ko senga pardon donc il a que ça déjà que ozana quelque chose na kati nyo ya bonzambe atana taba monsieur sino ba koma no ba chrétien te mais moi c'est ma si wana nza na kati na bango. Mais la grande chose on a mon à côté à chrétien ba croyant de ba kokosenga ba pardonté donc pour na ko réparer les kambo et ça la moi passe on mon ndeko ba bengi ba ndeko ba kokoza la lumière du monde nenge bible lobby c'est les chrétiens parce que ceux qui nenge utolo ba ke muto za chrétien té azo senga pardon azo reconnaître ma bien naï à combien plus forte raison yo za chrétien au bout ya ko reconnaître ma bien naï. Na sali na offensé madame Monica. En tant que chrétien na roya ah madame Monica na sali ko mobo excusez-nga. Na offensé bandeko na ngai. Ana me a conscience na kende na singa bango pardon. C'est différemment aussi avec le ba sali na nzambe ba terre abiso. Au moins mo sali na nzambe soit gaffé mais pas singa pardon. Mais bi que pardon d'abord et ezana no eloko et diminuer ka moto. Pour moto ko singo pardon quelque part assimiler devant yo. Mais c'est la révélation, madame Monica. Il y a un moment où il y a des gens qui ont pardon. Il y a des révélation. Bien sûr, il y a des gens qui ont dit qu'il y a des gens qui ont dit pardon. Ils ont dit qu'ils ne connaissaient pas. Ils ont dit pardon. Il y a des gens qui ont dit qu'ils ne sont pas chrétiens. Parce que moi, étant au diable, à côté des gens qui ont dit qu'ils ne sont pas chrétiens, ils ont dit qu'ils ne sont pas chrétiens. Ils ont dit qu'ils ne sont pas chrétiens. Par exemple, si mon cousin est un gros pacal, ils ont dit qu'ils ne sont pas chrétiens. Ils ont dit qu'ils ne sont pas. Mais en tant que chrétien, ils ont dit qu'ils vendent quelque part. Mais place où ils ont dit qu'ils ne sont pas chrétiens. Donc, courage, ils ont dit qu'ils ne sont pas chrétiens. Mais ils ont dit condamnation wana donc une fois au cas condamnation nzambe alingi yo va vers la personne qui ndeko senga e pardon au moins au senga pardon comme son de quoi na pas la ko ta toi bosana na e déjà mais tant que au senga pardon ndeko pas moi likambwana na bosana na nga déjà au moins que afungola déjà mtema mais moko tika na fardo wana na kati na yo autant que au senga pardon mona ki vie refungwama donc nyo se refungwama donc il y a une puissance dans le pardon. Il y a une puissance dans le pardon et le pardon libère et peut refungolo banzele belé. Quand tu commences à singa pardon, si tu bande commences à singa pardon, tu vas limbi ça vraiment. Singa pardon de coup. Et que longola oyozati.
bah la question a ouzabo rebi ki oloba ki mabi ou bien sala ki mabi pour na ko singa bah limbisanga na oloba pe mingi basa en ensemble bah c'est caché à derrière les versets bibliques au moins na pas Moussa en ensemble ya solo à reconnaître erreur naïe bah c'est caché à derrière les versets bibliques na habité papa venant bah au nom de bazo landa bo bo participer pendant le web service la puissance du pardon. Est-ce que derrière le pardon il y a une puissance? Il y a une puissance, évidemment. C'est caché derrière les versets bibliques. À cette déclaration, tu es à la contre-parole de Dieu. Mais comment on le verset biblique? Jésus a dit ceci. Ne touchez pas. Ne touchez pas mes joints. La puissance du pardon. Parce que Junior le dit comme un manque. C'est habile. Nous avons pardon. Tu es à la pardon. Oui. Prêche à la révélation. Mais pour Bango, je vais faire en pratique. Et ça la passe, Madame Monica. Si vous avez en pratique, vous avez un 1 sur santé. Donc, on a 0,0 combien? Ils ont un peu de bâtir en pratique. Au moins, ils ont un peu de bâtir en pratique. Mais ceux qui ont un peu de bâtir en pratique, mais parce que c'est un peu de bâtir en pratique. Mais ils ont un peu de bâtir en pratique. C'est caché derrière le verset biblique. Mais oui, la puissance du pardon. La puissance du pardon libère. Ils ont libéré, expliqué en tant que au sein de mon pardon. Très bien. Qu'est-ce qui se passe pour constater qu'il y a une puissance dans le pardon? Madame Monica, Bon, a évité que tu aies comme ça, tu aies un colo, tu aies ce qui est ça. Pour la chrétienne. Mais on a l'impression que tu as peut-être pardon, ce n'est pas ceux qui se disent toujours chrétien, chrétienté. Parce que Na bonne morale, limbisanga, mbalasima, non, ça les soubongote. Ou en ce qui est venu à un contexte physique, na morale. Parce que biso nous, on va l'accepter sur la boumou, na ce que l'amour qui pèse à papa bonjour, pèse à maman bonjour, ou à l'équipe, à zaya nao. Donc, ma cambo à nous, on va l'accepter biso, ce que le bel moutoumabe, c'est n'aille pardon. Bah, la qui sa biso yango. Ou en est aille loco, moko, na okio bateau, botan maranango. Maoba kola na bonne famille ba yebi makambo. Mais sur le plan religieux, si ko, côté spirituel, ou n'en est pas chrétien, bah, c'est kachak. Vous n'avez pas chrétien, c'est Kachakaming. Au Salimabe, Mozo Luka versé, Ozo Luka citation et Bombayo. Retournons à l'ancienne mode. Bah, repentance publique, et ça, les marques sont soutenues. Narratia Béglise, moi je me souviens une fois à Kisangani, là j'ai saillé le pasteur Christopher Kabam. Tant que pasteur Ngonde Azalaka, nous avons une repentance publique dans l'église, au Salimabe. Très bien, puissance à pardon, quoi qu'elle appelle du cœur. Et on a le bagage sous yo, n'a pas la yo mabe, yo kenayo. Olimbi singa n'a pas l'imbiso, parce que trop barabongo, zambia l'imbiso bosani na. Mais moutou a salaki yo mabe, n'a au kende, a condamnation n'a au bando salan à katinaï. Attends, le bagage zambia l'imbiso, mais y'a au kende, a mon senti condamnation. Aussi longtemps l'ongo est dans le loco, en temps où la charge, yoana. A quoi c'est un pardon, parce que la paix dit que raison gagne. Tant que je suis bien, tu es en train. Ah, madame Monica, a raison que ça relâche. Donc, ça va créer ce soir, mon nom, et zonga. Mais de quoi, on a un monde à Romain Moussikananga. De y'a un monde à se sentir gêné.
tant qu'on s'est dit pardon, repentance sincère dans la salle qui est au moins, il y a un peu de donc, puissance, c'est que si on a ma lille, il peut dire que tu as un peu de temps, il y a rétablir la relation avec la salle qui est là, ça va, dans la salle qui est là, il y a besoin de tout bander là, marche, ils sont ensemble, ils ont dit que c'est un peu de temps, ce que ça, c'est un peu de temps. À souffrir ma case. Ceux qui ont moins, moi, ça va souffrir ma case. Ceux qui ont mon bal, souffrir ma case. Mais moi, quand on vend d'année à l'aise, au babo, il y a quand même à souffrir ma case. Moi, il y a zani à l'aise. À raisonner, n'est-ce pas, mais mon dos, il y a beau, il y a qu'on a d'un autre gars, comment réfléchir. N'a ça la kinine, vraiment, boy. Il y a un de réfléchir, tant qu'on me dit pourquoi. Mais yo, aux anneaux à l'aise, la boy qui m'ouvre, donc on n'a même pas pour raisonner, Jésus. Moutou, on a un autre fardeau. Mais si on a comprendre, à ce look, à ma belle, à ce monde, on a dit, bon, ça va. Pour charger le monde, on a sentir qui est pardon. Au moins, on a pardon, mais c'est difficile na bolingo na ébiter son bolingo ça les marabouts. Babou a aussi un pardon. Au moins, il dit une chose de son contraire. Julien, il y a ma problématique. On le voit dans les lots n'avaient pas le voir dans la télé. Na oyoko kaka. Là, on a bien un peu moins difficile na bolingo na ébiter. On a tiki côté wana pour n'accoser un tout pardon. Donc, le pardon libère. Il y a une puissance qui se cache derrière le pardon. Derrière le pardon, oui. Si vous avez un fardeau dans mon tout, qui est un singa, qui est un singa, pardon. Ou le vendre dans ma cambouana. Parce que dans le barango, toujours qu'il y a un enlèvement. Au-dessus de toutes choses, il y a que Dieu. Au-dessus de toutes choses, il y a que l'amour. Ceux qui toujours vendre dans ma problème, mon corps, irréparable, dans la carte, dans la bise. Toujours vendre dans ma cambouana, mon corps, il y a qu'il y a un problème dans mon tout. En âme et en conscience. Mais aux obondes, la paix a volé l'olali. Olali pour la mouki obondé. Donc ça, la macamion, c'est normal. Et puis, tu vends tes os et la toque et l'enlèvement. Moi, je me pose la question. Je suis en train de me poser la question. Parce que. T'es marreux, ça y est. T'as un homme qui a un problème. Mais il y a un autre qui a un problème. Non, je n'ai pas de problème. Non, non, t'as un problème. Ok, t'es. Donc, je ne me reproche de rien. Mais il y a un autre qui a un problème. Il y a un autre qui a un problème. Il y a un autre qui a un problème. Il y a un autre qui a un problème. Mais il y a un autre qui a un problème. Il y a un autre qui a un problème. Il y a un autre qui a un problème. Il y a un autre qui a un problème. Yo lobi na kaka nzambe alimbisa obosa ni no pe angoki na me ngande na okini na na sala ki mabe problème na e bando zongela ngana makanisi a tout moment si obongisa ti il faut obongisa tant o lobi tant na ko réparer en pardon qui te libère na ko réparer en mon na et puis pour singa pardon on ba ki révélation kaka so za révéler singa pardon to vanda na ba pardon na éviter ce que l'autre okini ndeni donc la repentance publique na kata d'église pardon to sali mabe les qui c'est la chair pas pour ça la qui boue et peut être l'élection la chair bon les bandes ma bézette la babylon quoi ma cambona de tout ça là n'a pas la madame monica bah pardon les pardons qui libèrent il y a une puissance ce que vous singuez tout pardon en amère quoi avec la sincérité du cœur même en pleurant l'imbissanga n'a pas la mabé soit la salle ou tout ma bé donne aura condamnation pour ce va reprocher la pénéna l'éla. Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne comprends pas. C'est faible. Non, c'est une faiblesse, madame. Ma place, je me dirais que c'est une faiblesse. Au moins, nous sommes tous faibles. Il y a 5 années, pardon, pardon. Mais tu es un mini, 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 tu es un mini. Mais est-ce que c'est un mini, pardon, mais pas un mini, pardon. Bon, madame, on quoi? Mais on a un pardon. Mais on a un zambé, ma bête. Est-ce qu'il y a un zambé, ma bête? Zambé, ma bête. Mais on a un zambé. Va vers ton frère. Va vers ton frère. Zambé, est-ce qu'il y a un zambé, ma bête? Na sen zambe mabete na salinde yo mabe donc mouto nga na ko réparer na bonde di seigneur son nga na ke ko singa ndeko na ka pardon. Mais le pardon est divin. Oui, le pardon, mais c'est Dieu. L'erreur est humaine. L'erreur est, pardon voilà. Est divin. L'erreur est humaine, bien sûr. Nous commettons des erreurs. Même la Bible nous dit nous brochons d'une manière ou d'une autre. Mais tant que ça, il dit qu'il a offensé mon tout elle, que nous singe pardon. Place son anneau à la passe. Va vers ton frère. Au lieu qu'il n'a pas mon tout, au lieu qu'il n'a pas mon tout, na sala ki mtona mabe ya mena oye batene ko singe par ou komina o réfléchir yo moko est-ce qu'il n'a que singe pardon sona ki o singe pardon est-ce qu'il a correspondre ngai ko so papinga te ah na ba tsana ngaka na continuer vie nanga de ozo monde de eza ba tsu bo ozo mi kanga ba mazita na vie voilà ba boue e belé ba calme même na vie ngai regena zo de yo moko zo o mi sala ba calme o sutu ka ba kilo
C'est ça. Donc, au salaire, ma bien à 12 ans, à 13 ans, au bongi, si ma ramassili, ok. Mais yo tant aux autres, au kangarango, donc aux autres, mais au même à ma ramassili à 23 ans. Ma fardeau, yo mokozola dans la fardeau. Et puis, na mitouna, toujours moutouna, madame Monica. Comment se fait-il que na se moutouma bien, na monani na yé. Donc, au salaire, na yé, par exemple, journée mobima. Na boyo se nga yé, pardon. Na ki pe pa nanga. Na lali. Et puis, na bonde lipe, sans pourtant réparer. Alors que tout ça qui est journée mobile, mais ça c'est quel genre de nazon mituna parce que Nasuki wana lelo. Mutozala qui est journée mobile. Junior na lo baming de l'autre. Pour le Seigneur moi pardon. Oui. Bon, ben moi pardon peut-être de pense ngana. Qu'est-ce qu'on peut conclure na la puissance du pardon pour aujourd'hui? Merci beaucoup. Nanga ina suki sana. Ezana basa ina nzambe soko salima b parce que c'est vous qui êtes les guides. Bino de bozaba guide. Bozaba ba emblème na l'église, bozaba bato nzambe azolo bana bino directement de bino bokomi sina église. Ce que salima b basse en ensemble belé basse nga pardon te ayebi ki salima b singa pardon papa ko banda na ba pasteur na ba onyon so balandi bango parce que moi ni ko sam sa ba frère ezara facile hein. Oh frère asali bo récupérer au sambisier alors que yo moko so salima b basse mbisa kaote place un peu la makase ce que ki frère na o boy bu bengi mbangu bo luki bo jije mais ya yo moko ba sam so kantimini église ye bakate mamoye bakate wande problème chez alaka donc to za la ba chrétien problème meza va vers ton frère senga pardon bo réparer makambu ce ko melaji bo meliji bo melima bo bondeli harmonie ko zonga ou lito vanda na ba charge na kat na biso c'est pas propre et puis to zo kindalèvement ngana zana problème to kutani nayo bafungoli be église to komo kende be église to komo yembesika moko tout a sacha ke ngana mbe ko tete yo kanakate tout a sacha ke ngana ndekona kuria ele kakate c'est pas normal dans une même église to zo la peto ke ndelo la eza bien te to bungo la mutema ndenga solo to senga ba pardon na ndenga zo c'est un peu oui Junior merci beaucoup d'avoir partagé le petit sujet de ce matin la puissance du pardon avec nous et nos téléspectateurs t'ont suivi merci à vous tous qui nous avez suivis. Deux fois, je termine avec une petite blague juste pour rire. Vous voyez que le rire, c'est un remède. C'est plus que même un examen. Ça vous détend, ça vous déstresse. Je dis merci à ma grande équipe, Regan Mouzier, tout derrière les caméras. Murphy Nongué à la régie finale, Junior Vitiale, merci beaucoup. Et merci à vous aussi qui nous avez prêté de votre attention. Nous vous disons merci. Nous reviendrons demain matin dans un autre numéro de Télématin pour vous informer, vous former et divertir. Et c'est par cette blague que nous nous séparons. On se retrouve demain avec le même plaisir de vous servir. Au revoir et demain. That bike's seen better days. Got it. Yep, there we go. Oh no. Oh, yeah. This isn't good.
my purse. Come on. Dude, come on. Please, please, please. Yes. Yes. Oh my god. Oh. Oh, fuck. Oh, my god.